Tu glisses une table large de 1 mètre le long de la paroi rectiligne d'un couloir large de 2 mètres, comme sur la figure ci-dessous. Question, jusqu'à quelle distance de B en mètres peux-tu amener le coin C de la table pour pouvoir encore ouvrir totalement la porte AB? Imaginons que nous ayons rapproché le coin de la table jusque-là. Alors, ce que nous cherchons, c'est cette distance X. Cette distance X, c'est aussi la longueur de ce côté de l'angle droit de ce triangle rectangle. Donc, ce que nous cherchons, c'est cette longueur-là. Nous la trouverons en appliquant le théorème de Pythagore dans ce triangle rectangle, puisque nous connaissons la longueur de l'hypoténuse. La longueur de l'hypoténuse, c'est le rayon de cet arc de circonférence, c'est-à-dire 2. Et la longueur de ce côté de l'angle droit est également connue, puisque c'est ces 2 mètres moins ce mètre, c'est-à-dire cette longueur, c'est 1 mètre. Le théorème de Pythagore donne donc x au carré est égal à 2 au carré moins 1 au carré. Et par conséquent, le x au carré est égal à 3, d'où x vaut racine carrée de 3, et par conséquent, c'est la réponse C qui est la bonne. Lors du tutoriel suivant, nous allons répondre à une autre question de l'Olympiade mathématique.